Les PME familiales ont renforcé leurs fonds propres pendant la crise. C'est l'un des constats du dernier rapport de Deloitte Fiduciaire. 10 années d'informations financières passées au crible en provenance d'un échantillon de 562 entreprises. Des entreprises moins nombreuses à se tourner vers leurs banques. Les PME familiales ont décidé d'avoir recours à une source de financement qui leur était propre. Leurs actionnaires, leurs associés, leurs administrateurs ont financé et ont augmenté les fonds propres de leur entreprise ou ont décidé de se retourner vers d'autres sources de financement, le private equity, des fonds d'investissement, qui quelque part ont remplacé le secteur bancaire. La crise aura eu pour autre conséquence de creuser davantage le fossé entre les forts et les faibles. Selon le rapport, les meilleures PME familiales sont devenues plus performantes en 10 ans et les plus fragiles sont aujourd'hui plus vulnérables encore. On peut constater qu'aujourd'hui, une entreprise sur 4 aura des difficultés face à ses échéances financières et ses dettes futures à court terme. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on parlait d'une entreprise sur 6, une entreprise sur 7. Et donc la différence est quand même fortement significative. Et par contre, les meilleurs renforcent leur capacité de remboursement. Reste que dans l'ensemble, la crise a affecté la rentabilité des PME familiales. Deloitte constate une baisse de leur rendement opérationnel et financier, affectant jusqu'à la valeur des entreprises. La rentabilité, si on prend l'exemple du retour sur capital investi, a pour l'entreprise médiane baissé de 30% sur les 10 ans. Maintenant, quelle est la cause ? L'une des causes principales est l'augmentation du coût salarial, qui pèse fortement quand on regarde la proportion de ce coût salarial sur la valeur ajoutée et qui, pour moi, est un réel défi pour le futur. Ce défi, le nouveau gouvernement va-t-il le relever ? Trop tôt pour le dire, répond-on chez Deloitte où l'on attend plus de détails, des mesures concrètes avant de prendre position.